Hello YouTube, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wany, on se retrouve aujourd'hui sur le test du nouveau jeu mobile Guardian Tales, un jeu avec une très bonne DA, vous voyez, du pixel art, mais pas que. Belles petites animations, le jeu est traduit en français, on va se balader dans les donjons, on va défoncer de l'ennemi, on va taper du boss, il y aura du PVP, on découvre ensemble le jeu sur cet univers mobile, vous pouvez le trouver sur iOS, sur Android comme d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous abonner. Et si vous avez des petits tips à donner à la communauté ou bien à moi qui va continuer très sainement à jouer sur le jeu, bah n'hésitez pas. Vous voyez la DA, plutôt cool. Bon, on va prendre un garçon parce que si je prends une femme, les gens vont se plaindre. On va prendre un personnage passionné, on va s'appeler Mr. Wendy, comme d'hab. On va peut-être retirer le E majuscule qui est en trop. Je suis sur le serveur Europe, donc si vous voulez me rejoindre et m'ajouter en ami, il n'y aura pas de problème. Allez, let's go. J'ai vraiment hâte de le découvrir, c'est un jeu que je surveillais de côté, donc j'avais mis en préinscription. Le jeu est sorti, beaucoup de choses à faire ces derniers jours, vous le savez, avec les mises à jour dans pas mal de jeux, le nouveau contenu. Donc on avait mis ça de côté, et je voulais vraiment record mes premiers pas avec vous. Donc bah let's go pour la découverte. Il y aura très certainement du live sur le jeu, hein. Moi je le trouve bien. Dites-moi ce que vous en pensez, on va tester ça. Allez les gars, vite vite, restez derrière moi. Et bam, et voilà Wendy qui explose. C'est déjà la fin, c'est la fin. Allez, ciao tout le monde, bye bye, merci de vous avoir abonné à la chaîne. Les pauvres. Oh, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Oh, elle m'a aidé, c'est barré. Ok, pour mieux jouer. Ok, très bien. D'accord, on a un placement. Est-ce qu'on peut faire des diagonales? Ouais, on peut faire des petites diagonales, donc ça va. Nickel. Donc, on voit en haut qu'on a une classe DPS avec les deux petites épées entrecroisées. D'accord, qu'est-ce que tu fais? Tu me lâches un truc? Non! Il court trop vite! Elle a un buff speed, c'est sûr! C'est sûr! Ok. Donc, vous voyez le petit côté que je disais, puzzle game, stratégie. On va le trouver là-dessus. Je suis pas sûr de l'avoir dit, mais je vous le dis. Donc là, si je maintiens, je cours. Là, je marche, je cours, je marche, je cours. Ok, on trouve une épée. Début de stuff, épée de tutoriel, votre première épée est une arme que vous n'oublierez jamais. Oh non, jamais. Oh, attendez, attendez, on peut faire... Oh, d'accord. Donc, on a la possibilité de faire des combos. On peut spammer potentiellement la même touche. Vous voyez, si je spam. Donc, peut-être plutôt pour faire des combos. Ok, on voit la barre de vie des ennemis, ce qui est plutôt sympa. Moi, je sais pas trop ce que c'est ma barre verte qui est en train de descendre entre 117 et 130. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Votre vie est précieuse. Pensez. Pensez à quoi? Aux gens qui vous aiment encore. Oh, il n'y a pas grand monde hein, qui m'aime. Hein. On le sait. S'il y a un petit élément feu, peut-être que l'ennemi est élémentaire feu. Oh, d'accord. Nice. D'accord. On peut y aller en mode... je vais pas appeler ça vraiment un dash. Mais on va appeler ça comment... une ouverture. Allez, on peut y aller avec une petite ouverture qui a l'air sympathique, je sais pas à quel moment elle pop. D'accord, donc eux ils veulent me parler. Très belle DA, hein, je vous l'avais dit. Le son de design est cool, j'ai essayé de mettre assez fort pour que ce soit audible, mais pas trop fort pour cacher ma belle voix suave, bien entendu. Celle qui vous permet de faire de jolis rêves à chaque fois que vous regardez une vidéo, juste avant de vous endormir, bien entendu, sur la chaîne Mr. Wendy, bienvenue. Alors, ok, bouclier tutoriel généraux cadeau de Linda. Comment je fais pour l'équiper? Je peux cliquer sur le personnage? Non. Ici, peut-être? Type D-pad, réparer les mouvements... Non, ça, c'est plutôt les trucs du jeu. D'accord. Alors, un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, moi, j'aime bien. Oh, stylé! Oh, je la veux! C'est un peu comme dans Pokémon. Hein. Moi, il faut que je capture tous les héros dans les gacha games. Donc, excusez-moi. Il me les faut tous. Aïe, 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 prenez mon argent, prenez mon argent. Donc le jeu, il est free to play, mais il y a bien entendu des systèmes de microtransactions. Donc j'ai pas encore checké toutes les microtransactions. Si on a le temps pendant ce tuto, découverte tuto, du tuto, on ira voir un petit peu tout ça. Mais sinon, pas possible. Oh, tellement stylé les invocations, j'aime beaucoup. On vient de récupérer du coup Eva. Par contre, elle a 0. Elle est niveau 5. Ah par contre, sa barre augmente. Donc est-ce que moi en gros je serais le tank et elle le DPS long range? Nickel. Je sais pas comment refaire pour spammer le truc. Il n'y a pas de boîte au trésor cachée ici, ne jouez pas.
Avec quoi? Ne jouez pas avec le feu ici, le faites pas. Ah. Donc en gros, ils me disent de brûler le truc. Bah, je sais pas, moi quand on me dit de pas faire quelque chose directement... Enfin, moi c'est la base, c'est le premier truc que je fais. Hein. Est-ce que le fait d'allumer une deuxième torche était utile? Ah putain, ça s'est fermé derrière moi? Non, je suis un arse. Je pensais que... Ah, j'aurais dû regarder la minimap qui était en haut du prologue. Si ça se trouve, on allait découvrir un objet de Kikoulol. La cape magique. Ouh, let's go. On est dans Dark Souls, là, les gars. On est sur un Die and Retry. Brûle, le Minotaur n'est plus. Bon, c'est le prologue, hein. Ne vous extasiez pas comme moi quand vous tuez un monstre dans le prologue. Ce genre de choses ne vous apportera rien. Nous, on a des petits cœurs, là. C'est de l'XP, des... What? T'imagines, tu rencontres un coffre qui est plus gros que toi dans la vraie vie. Po, les gars, vous pouvez m'appeler Trump. Honnêtement, bientôt la Wendy Tower. On est riche. On est riche. Bientôt des statues à mon effigie partout. Dans la Wendy dictature. Let's go! Nice! Bien, bien! Très bonne prise en main, le jeu est fluide. On est sur émulateur. Alors, je ne suis pas sur Nox ni sur Boostack. Je suis sur LD Player. C'est le seul, en tout cas, qui, pour moi, pour l'instant, me faisait tourner le jeu d'une façon fluide et correcte. Après, il n'y a aucun problème sur les téléphones, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des téléphones de première génération. On est sur des jeux à 400, 450 MO, je crois, actuellement. Plutôt pas mal. À voir s'il ne va pas avoir un deuxième moment de téléchargement. Alors, il faudrait qu'on regarde un petit peu le lore, parce que de ce que j'en ai entendu, des gens qui m'entouraient et qui attendaient le jeu aussi, m'ont dit que le lore est plutôt bien. Donc le lore, toute l'aventure, l'histoire, les personnages, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Restez en arrière, votre Altesse. Tintintin. Waouh. Ça, c'est le boss. C'est le boss. Tu penses que c'est le boss ultime, mais ça ne l'est pas encore. Ah oui. Ok, bon, c'est peut-être le boss ultime, finalement. Camille, Eva, Mr. Wendy. Vas-y, m'appelle pas, toi. Stop. Oh oh, notre Altesse. Waouh. Du coup, elle se stun. Ah, mais nous, on était pas morts. À moins qu'elle nous arrête. Oh, le maléfice. Elle ne reviendra plus jamais à sa connaissance. Il va falloir, du coup, rompre le maléfice. Le cercle de téléportation. Vous voyez, le côté pixel art qu'on a sur les personnages, mais qui, autour, on n'a pas forcément, je trouve ça très, très soigné. Et j'aime beaucoup. Où allons-nous, votre Altesse? Les anciens rois de Canterbury avaient mis en garde. Ouais, mais ça va un peu vite. Trouveront quelques pistes dans leur dernière demeure. C'est peut-être parce que j'ai cliqué trop vite aussi. Oh, les petits oiseaux. Oh oh. Ce n'est pas possible, nous sommes suivis à la téléportation. Camille, ce vilain est revenu. Tout le monde, accrochez-vous, filons à pleine vitesse vers les ruines de Canterbury. Pin, pin, pin. Waouh. Waouh, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Ah d'accord, donc on se fait toucher. Ouais, c'est chaud, je peux pas vraiment éviter là. Ils ont fait exprès. Ouais, mais tu peux pas anticiper le tir quoi. Vous allez me dire que oui, moi j'ai réussi à anticiper le tir, Wendy, c'est que t'es vraiment trop nul. Ok, ok. On n'a pas tous votre flow, les gars. Allez, let's go. Prologue terminé. 9 minutes. On est content. On va découvrir un petit peu plus sur le jeu. En tout cas, j'ai hâte d'en découvrir moi, personnellement, plus sur le jeu. J'espère que vous aussi. Et j'espère surtout qu'on se rejoindra ensemble sur le jeu. Recevoir des récompenses. Ok, donc le café, c'est peut-être l'énergie du jeu. Voilà, de l'endurance. Événement de connexion spéciale, sûrement pour le lancement du jeu pendant 20 jours.
des gemmes gratuites. Ça, c'est les packs. Le pack invoqué tous les jours. D'accord, on peut ne plus afficher aujourd'hui. Le pack de soutien d'invocation, 5400 plus 200. Le plus 200, c'est un petit peu radas. Et let's go pour la première aventure. En général, pour un truc à 5200, tu devrais avoir un plus 800 ou un plus 1000. Ok, quête. Donc, on va avoir un système d'étoiles, des sous-étapes, des morceaux d'étoiles, des pièces pourpres et les quêtes. D'accord, nickel. Qu'est-ce qui se cache dans ma petite boîte mail? On va tout recevoir. Il n'y a pas de café. En général, je fais toujours gaffe quand il y a des cafés là-dessus. Ah, il y en avait peut-être. Il y avait 80 d'endurance. J'ai pas vu qu'il y avait des choses sûrement qui se cachaient aussi à côté. Parce que, bah, vous voyez, là, je suis à 183 sur 63 et je sais pas comment ça va se stacker. Ça se trouve qu'on va monter de niveau, ça va pas aller au-delà. Par contre, on est quand même à 183, donc peut-être que ça se stack. Moins 15 l'entrée. Cher. Mais après, on commence avec 83, donc potentiellement, peut-être qu'on sera à 500, qu'on sera à niveau max. Bon, je pense pas qu'on va gagner un point d'endurance par niveau. Je pense qu'on va plutôt gagner genre un truc comme 4-5 points, peut-être, par level. Ah, tout ira bien. Ouais, ouais, merci. C'est Camille, c'est ça. Hein. Ah bah voilà, des pièces pour... Ina, attrapez-les! Hein? Profit! Et là, je vais me réveiller. Dans un instant. Ah non. J'ai vécu une vie honorable. D'accord, donc moi je vais me réveiller et il va falloir que j'aille à son secours. Allez, Mr. Wendy, tu es un passionné, tu le sais. Où suis-je? Ne serais-je pas au niveau de l'auberge? Bouclier en fer. On va l'équiper. Ok, donc on a les petites voix jap, hein, vous le savez. Moi, honnêtement, j'ai le personnage que je dois aller chercher, mais moi, tout de suite, je me balade. Sauver les gens, je suis passionné, mais il y a des limites, quoi. Vous savez. Est-ce que je peux casser les herbes, genre la manière de Zelda? Non, on peut pas. Est-ce que je peux aller là? Non, on peut pas. Donc là, va falloir que j'aille la sauver. Faites bien gaffe à la minimap, hein. La minimap ici. Enfin, on peut aussi cliquer sur la map. Mais regardez, elle vous donne quand même pas mal d'informations. Elle m'a donné l'information qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, avec mon expérience de joueur de jeux vidéo ludiques, hein. Moi, je me suis douté qu'il se cachait quelque chose. Voilà, le petit perfect. Je peux aussi vous donner des petits tips, bien entendu. Ta gueule, Wendy. Ah, je peux pas, moi? T'es qui, toi? T'es une joueuse? Non, t'es pas une joueuse. Hé, hey, une sacrée belle journée, si vous voulez savoir. Êtes-vous sûr de vouloir parler avec moi? Allez, je voudrais bavarder, mais vous semblez affreusement occupé. Non, honnêtement, j'ai rien à faire. Moi, j'ai... Moi, faire quelque chose? Sauver quelqu'un? Moi, ça me parle pas. Ok. Il y a quand même le petit indicateur en bas, le radar, qui nous indique qu'il fallait qu'on aille vers le bas. Est-ce qu'il peut se cacher quelque chose dans les hautes herbes? Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Allez, n'oublions pas qu'on peut courir. Oh, il nous aide pour le puzzle. Ah, on peut cramer les herbes par contre. Ah, c'est des trucs de glace. Ok. Intéressant ce petit côté épuzzle. Oh mince, j'avais pas vu que l'autre il pouvait me... Je pense qu'on va aller le pécho. Merde. Par contre, on tape... on a un petit cône de dégâts. On a un petit cône... et ça, c'est plutôt sympathique. On peut essayer de stacker légèrement les ennemis. Donc l'autre, elle est en train de me suivre. D'accord. Allez, du stuff. Oh, le gant de taupe. Vous permet désormais de casser de petits rochers. Nickel. Comment je sais quand je dois l'utiliser? Excusez-moi, moi je vais toujours dans l'autre endroit. Oh, damn. Est-ce qu'on va là d'abord? Yes. Ah, mais si ça se trouve, c'est l'endroit où il faut que j'aille. Donc non. Non. Nous, on se balade. Je suis un baladeur. Est-ce qu'on peut drop des choses dedans?
Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ça se fait plutôt bien, les petites vibrations aussi. Enfin, petites vibrations. Faut appeler ça des vibrations. Mais l'écran qui shake un peu. Je peux les tuer. Ah, je peux pas leur taper dessus. Vous sentez la déception? Il y avait un truc doré. Nickel, honnêtement, on a vraiment ce côté. Alors, on n'est pas open world, hein. Mais regardez, on peut se balader, nickel. On revient sur les phases de départ. Là, je pouvais pas faire ça tout à l'heure. Donc là, je peux recasser. Ça se trouve, ici, il y a une entrée de quelque chose. Non. Cool. Cool, vraiment très cool. J'aime. J'aime ce que me propose, honnêtement, pour l'instant, Guardian Tales. Allez, on va aller voir là-dessus. Putain. Oh non, c'était un piège. Et si j'étais passé à droite, vous pensez que je me serais fait prendre dans le piège? Ah, voyez, comme des salandres. Bien, 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 voyons le pauvre âme. Ce n'est pas votre récompense, gamin. Dany a attrapé la fille. Dany aura steak au dîner. Bien sûr, mon chou. Ouais, les deux, ils ont la même voix, je m'excuse. Je devrais travailler un petit peu. Récompense. Ah, on a aussi un côté discussion. Est-ce que ça change quelque chose? Ah ah, si vous le dites. Tout juste ce que j'attends de la royauté. On traîne par hasard dans la forêt? On va bouffer. Ouh, c'est la Team Rocket, ça. Ça sent la Team Rocket. Oh oh. Allez. Faut que je spam, c'est ça, là? Ah oui, donc la fille, elle vient même pas m'aider, quoi. Ah bah merci. Ok, Kamael, qu'est-ce qui s'est passé? Des mercenaires ont kidnappé votre ami. Oh, ce n'est pas bon. Nous devons sauver cette petite fille. La route est bloquée. Cependant, quand on veut, on peut. Mm-hmm. Waouh. La grotte. Je vous aurai à sauver votre ami. Nous devons aider tous ceux qui se trouvent dans le besoin. Lorraine l'aubergiste. Let's go. Donc on a déjà une pièce jaune. On a trouvé 3 coffres sur 4. C'est ça? Non, on en a trouvé 1 sur les 4. Donc il en reste 3. Avant que c'est ce qui reste qui est affiché en haut. Ce serait bizarre qu'il y ait des choses, ce soit ce qui reste, et le reste, ce soit des choses qui ont déjà été trouvées. Ah non, ça ajoute. Ça ajoute. Ça ajoute un petit truc, oui, oui. Oh, stylé! Gemme gratuite, eh ben, ça on prend, hein. Quand c'est gratos, ça touche tout de suite une meilleure saveur. Point d'événement feuille de route, nickel ça aussi. Bon bah les gars, moi je vais vous laisser là-dessus, j'ai pas envie de vous spoiler forcément tout de suite le scénario. Moi je vais continuer à jouer, le jeu me semble très très bien, dites ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'hab, si vous voulez des vidéos sur le jeu, faites le savoir, je me ferai un plaisir de continuer un petit peu là-dessus. Vous avez des techniques, vous avez des conseils pour la communauté, faites le savoir. Et puis nous on se retrouve très prochainement sur une vidéo, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, ou bien sur la plateforme de live Twitch, où je live de façon très régulière, quasiment quotidiennement. Allez tout le monde, à la prochaine, bon farming, et bonne découverte sur le jeu, du coup, Guardian Tales, bye bye.